Comment? Ah, c'est pas un don. Et ça, c'est le quoi? Ah, c'est pour partir. Maintenant, on va encore prendre la marque. Là, je suis fait pour tout. Pour trop conduire, tu sais. Pour chauffer, on va aller avec mon toit et un bain à sa femme. Chauffeur, on va encore combattre la zone, mais la carrière, on va aller aussi. Mais il y a quelqu'un qui a fini, mais quand même, on va encore mettre le temps dans le champ. Tiens, on va aller là. Il fait comment? Toi, tu es entré là-bas? Ouais. Avec qui? Moi, non. C'est ok, au Potanayo, il y a un garçon qui est pilote, on ne motive pas même ma famille, ça. Vous savez, un temps. Allons-y, on essaie. Merde, les amis. Bon, ici, nous nous réservons de faire toutes les déclarations pour l'instant. Nous attendons qu'on puisse avoir toutes les données. La famille communiquera d'une manière officielle. D'accord. Parce que tout ce qu'on va vous dire pour le moment, ce sont des émotions. Ouais. Donc attendez dans les prochaines heures, ouais, quand la famille aura réuni toutes les infos, ouais, et on va les communiquer d'une manière officielle. Maintenant, ce qu'on peut demander seulement, c'est comme nous on fait aussi image, si vous pouvez permettre. Parce qu'ils m'attendent, on n'interroge personne, juste de montrer que Matin Gizali et puis on peut partir. Vous avez la caméra? Oui, avec le téléphone, c'est tout seul. Et puis on allait le remplacer. Ce moment, il y a un balaxinateur. Ok, pas de problème. On a dit à la médecine, il faut en accueillir. Pour le moment, on est bien. D'accord. On peut rentrer. On peut rentrer. On va y avoir un balaxinateur. On va essayer de voir votre presse. Merci, mon cher ami. J'adore. Bien noté, hein? Ok, d'accord. Mais avec les... Canal... Oui. Bonjour. Mais fais les images, pourquoi tu veux seulement rentrer dans la vidéo? C'est pas trop professionnel. Mais le corps se trouve où présentement? Le corps se trouve où présentement? Pour le moment, je n'ai pas d'intention. Je ne suis pas...
Mais à la morgue, quelque part. Essaye d'avancer un peu. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous, on est de la famille. Bonjour. Vous êtes de la famille? Vous avez appris la nouvelle à quelle heure? La nouvelle, c'est vers 0h. Vers 0h, il est mort. Et sinon, 15h, il affichait déjà certaines faiblesses. Et à la maison? Oui, à la maison. Il était sorti, il est rentré ici à la maison. Et puis. À partir de ce moment-là, il a commencé à fêter certaines faiblesses. Vers 20h, on l'a amené au centre Ngana. C'est là qu'il a rendu là. On a dit que c'était un problème de tension. Le médecin, le premier bilan du médecin? Bon, jusqu'à là, on ne sait pas déterminer. Parce qu'on ne sait pas déterminer la cause. On se réserve à toute supputation. Vous savez que. C'est un juge de la République. Il est mort comme un militaire au front. Donc, les causes de sa mort doivent être révélées par les autorités judiciaires. Donc, voilà. Il avait quel âge? L'âge, c'est 50 quelques. Sinon, il est de 68, je ne sais pas. 52 ans. Ah, 52 ans. Père de 3 enfants, voilà, il a laissé une veuve. Il n'a aussi rien dit de tel. Ouais. Oui. Non, on est de la. Ça, c'est juste. On est juste. Les préliminaires. Non, juste ce qu'il. Ouais. C'est ce qu'on a donné à Boussolo, qu'on donne ici. Donc, il n'y a pas d'autres informations. Juste, on prend les ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. C'est ce qu'on a donné à Boussolo. Donc, on ne va pas au-delà. Au-delà de l'information, la famille va se concerter et puis donner une information officielle. Non. C'est un sujet tellement sensible que nous-mêmes, journalistes, nous n'aimerions pas être exposés. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que nous dirons, oui. Tout ce que je dirais, à un certain moment, même journaliste, on prend beaucoup de réserves. Sinon, c'est un juge de la République, il est dans un procès aussi sensible. Et donc, on ne peut pas s'amuser de raconter n'importe quoi. Ça pourra se retourner contre nous. On y va vraiment avec beaucoup de réserve. Voilà. C'est ça. C'est aussi notre responsabilité. Moi, je l'avais appelé pour avoir l'autorisation de filmer le procès. Et c'était acté. Mais bon. C'est un de mes frères avocats qui m'avait donné ses contacts. Je l'ai appelé et mon frère l'a aussi appelé. Et voilà. Ouais. Ah, vous êtes professionnel? Non, elle, vous savez. Vous êtes professionnel. C'est comme ça qu'on n'a pas hésité de vous faire entrer. Sinon, il y a d'autres qui viennent ici. Ils n'ont pas accès. Vous voyez, j'ai le masque. Rachel Kitita. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci de nous faire confiance. Merci.
Libanda, policiers sont au limite auquel il est. Tu ne vas pas sortir là où il y a des policiers commencer à les filmer. Bah, au gangabiso. Donc, ah ouais, soit tu au bimi, ok, malamoko, soit ok boy, soit ok boy. Ou au côté de Pangwana, tu demandes à ce que vous filmez, mais na quatre quatre tu vas au bingamiso. Policiers moi j'en ai bien bien, alors tu chemise boy. Ah ça y est, côté de biso. Mais, au bar biso. C'est à dire au bout de biso matos. L'essentiel. Nous sommes au domicile du juge Yanni. Au domicile du juge Yanni. Allô? S'il vous plaît, je pourrais avoir vos coordonnées si possible. Oui, mais notez dans mon téléphone ici. Je ne pourrai pas entrer dans la maison, malheureusement. À la maison, non, hein? Criez là. Ouais. Est-ce que c'est possible d'entrer dans la maison? Vous pouvez demander. Je ne pense pas qu'on peut vous empêcher. Pardon? Je ne pense pas qu'on peut vous empêcher. Pour l'instant, non. Ah, même les autres ne sont pas entrés. C'est là interdit. Allô, maître. Bonjour, maître. Voilà. Allô? Je suis chez Lévi, moi je ne peux pas. Je suis chez Lévi à Bandel, je suis quitté chez moi. Là. Or, hier, il m'a appris que j'ai même bien c'est les mains. J'ai la maître Lambert, je vous appelle. Comment donc je suis là, attendez un peu que j'ai un peu d'informations. C'est quand même une grande perte. Une très grande perte. Il y a de l'audience. Donc, vendredi, non seulement je dis parce que quand j'ai l'audience vendredi, je dis samedi, je suis en demi prononcé. Maintenant, il m'appelle, on y va? Vous m'avez dit que j'ai... Oui. Ok. Monsieur Lambert.
On y va? On vous retrouve. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Bien votre travail. Oui, merci beaucoup. Tu veux encore quoi? Non, moi je voulais juste prendre. On m'a dit que c'est impossible de prendre ma, madame. Non, non, elle est sous émotion. C'est Ibanda, hein? Ici, Kakuna. Non, non, il peut prendre. Et on ne rentre pas dans le quartier. Ok. C'est bon. Donc, il y a un son écouté. Je peux interrompre. Chicken. Même en face. On t'a envoyé un autre produit à la maison. Toi, tu n'as pas ta carte. Va prendre ta carte, non? Va prendre ta carte. Je lui ai dit d'aller chercher la carte. Va mettre la carte de service. La carte de service, c'est ça. Mais au dit que ngai na babisika boye na tika carte d'électeur parce qu'on a tika ka nyonso na bima la carte de service. Il faut toujours avoir ça. Ko tika kango jamais. Carte de service c'est là le quoi ni papa oyo lati. Sans ça ngoto ko tata. Surtout quand on se dit être journaliste. Faut jamais oublier ça. Sans attendre sans carte à Kyoko, parce que il est longé, il est banni ma case. Et puis on le connaît. Mais puis nous dans ma carte, vous habitez le quoi? C'est aussi trop jeune, il est pas vieux. Vous avez que papa. Papa va camarade. Ah papa, on m'a sabis. Azaï bien, azaï logique. Tout regretté ga liwao. Yo vendi wa. Non pas ni ga na timas. Yo ka une nouvelle en air. Non, on va 22 heures, bon mi maye ba ki ne hôpital. Eh, ça me moi malaise mon bouya. Ah, bon ki beko za poison. On a battu pas au balo. Pas tout balo bara bon. Batabala bala. Mais est-ce qu'il va bien avec ambulance? Il y a que zoé. Tu vas pas te kiner mutu kané. Va kiner na mutu kané. Va bien moins n'importe quoi nakuna. Juste tu vas y na ouïe sam tobe tebia. Ah, 6 heures na ma 5 heures non il a gagné père ouf. Mais ma bière. Salut ma casse mutu non sur lui. Bonjour. Bonjour. Ah kiner na la ni la. Tanti, nous on a vendu à quoi?
Voilà, tu es noir. Azana. On y va? Merci. Donc là, vous avez vu, nous étions à la résidence du juge Giovanni Raphaël. On a fait ce qu'on pouvait. Il y en a tout la mer, ce qu'on le va. Mère à qui, ouais? Mère, hein? Mère Bonnie. Au conseil, elle a besoin de moi témoignage. Hein? Il y a papa à Koufi. Ça, c'est mon nom, j'apporte. Eh? Ma. Mère Bonny. Au 20 ans, à 7 mois. 7 mois. Mais dans 7 mois, aux acquis, on a déjà papa Raphaël. Azaki voisin, moi, quoi, modèle. Oh, qui toque au macassé. Azaki, il y a bien un an sous la nabatou bien. Très logique. Macassé. Qui est très logique, macassé, vraiment. Donc, Après, vous bimez. Tu vas voisin, tu vas voir le macassé. Tu bimez, bimez. Merci. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse ici, chez le juge Yanni Raphaël. Des voisins qui témoignent d'un monsieur très logique, d'un monsieur gentil, mais très très logique, avec une forte personnalité. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas spéculer, sinon de vous induire en erreur. Sinon que de raconter des mensonges. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, il est décédé. De quoi exactement? C'est les médecins qui peuvent le dire. On attendra le bilan officiel qui sera dressé par des médecins. Et si journalistes, nous entrons en possession, en contact avec ce bilan de santé du juge Yanni qui est décédé cette nuit, nous pourrons le dire. Mais pour l'instant, moi personnellement, je me préserve de tout commentaire quant à ce. On me dit qu'il a fait une crise, c'est ce que nous apprenons. Le plus important, c'est ça. De quoi? Alors, attendons que les médecins nous le disent. Moi, je ne spécule pas. Attention, c'est une personne qui vient de nous quitter, un juge de la République, dans un procès aussi sensible. Alors, il ne faudrait pas mélanger les choses. Et ça, moi, je l'évite personnellement. Ça ne sera pas responsable du tout. Vandinaye. Tolobite ko ebi sabiso tolinka ope sabiso moi témoignage mon cœur. Papa Koufi yo za voisinaye il y a depuis combien de temps? Depuis bana bakota. Ba combien de mboula sokoko ko se rappelé ba 3 ans, 5 ans, 6 ans. Maman bete ko za. Maman. Ba ou minute. Ba ou minute. Mais là, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans. Bah, il y a qu'une année, un bébé. Mais tu vois, ça va 10 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, combien de 10 ans? Moi, j'ai 11 ans. Ouais, mouten. Oh, il y a mon nénu. Ouais, je suis mon nénu. Deuxième. La cause, elle a 11 ans, 10 ans. Vos enfants, on a bien dans la maman? Très bien. Oui, papa a qui logique, hein, papa a logique. Logique, Benza, ce qu'a bimé Karaliki, il y a qui a zone à côté d'un d'abord.
Et si vous avez un problème dans le quartier, mon air mon copain a aidé. Aidé ma casse. Vous rassurez que vous n'avez pas de jour. L'eau est carrément. Oh, nous n'attendons pas. Elle est ok. Et bien, 11h à Bimak. Il y a beaucoup de monde. Et chauffeur. Donc, l'eau est à Bimak. À Bimak, il y a 11h. Bimak, vous m'avez dit. Après, à 23h, il y a Bimak sous le nom. Il y a tout le monde. Ah bon? À Bimak, il y a beaucoup de monde. Ton ambulance. Il y a Bimak qui est dans la voiture. Il y a un cima. Il va tirer la cima. Il y a quoi là? 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 Je vais te montrer.